Laura Tenucci est une maman et femme comblée. Celle qui s'est mariée avec le maire de Nice, Christian Estrosi, a accueilli en août 2017 une petite fille prénommée Bianca. Elle était déjà maman d'un petit Milan, né en 2009 d'une précédente union. Invitée récemment dans le podcast The Parent Show qui sera diffusé le 9 décembre prochain, la journaliste s'est confiée sur sa vie de maman et est notamment revenue sur ses deux grossesses. Laura Tenucci a expliqué qu'elle n'aime pas du tout être enceinte et ce pour plusieurs raisons. Elle a tout d'abord confié, « Je ne me trouvais pas particulièrement jolie enceinte » avant de poursuivre « Il y a des femmes qui ont de magnifiques ventres avec des jambes longues, qui sont grandes et très fines. Une catégorie dont elle ne pense pas faire partie. » De plus, une autre raison ne lui a pas fait apprécier ses grossesses, il s'agit de la faim. Elle a expliqué, « J'avais faim tout le temps donc ça m'exaspérait. » Laura Tenucci n'aime pas la grossesse, mais adore son rôle de maman. Si être enceinte n'a pas été une partie de plaisir pour la journaliste de 45 ans, elle garde un très beau souvenir de ses accouchements. Elle a confié, « Le moment où vient l'enfant, je trouve ça magique. » Ça mérite ses 9 mois. La maman de Milan et Bianca a également tenu à relativiser en évoquant le moment de l'après-grossesse, qui est souvent mal vécu par les femmes. Laura Tenucci a expliqué dans The Parent Show qu'elle avait bien vécu cette période, « Évidemment le corps change, si est-il certain, maintenant il ne faut pas non plus faire un tableau totalement catastrophique de ce qu'il se passe. » Elle a terminé en expliquant avoir réussi à perdre ses kilos 6 à 9 mois après l'accouchement. Aujourd'hui, elle est totalement comblée dans son rôle de maman. Loading Widget.